Nous allons continuer à apprendre à écrire les chiffres 4, 5 et 6. Comme pour les premiers chiffres, nous allons travailler dans une boîte rectangle coupée par une barre en son milieu qui monte jusqu'au deuxième étage, comme la lettre D et la lettre T. Nous partirons du milieu de notre rectangle pour rejoindre le coin gauche en bas sur la ligne d'appui en traçant une barre oblique. Puis tu traces une barre horizontale de la gauche vers la droite qui suit la ligne d'appui. Enfin, une barre verticale qui part de l'interligne et descend à peu près jusqu'au milieu du premier interligne sous la ligne d'appui. Tu fais les quatre dans des boîtes, puis tu continues sans la boîte à faire les mêmes gestes, ligne oblique, ligne horizontale, petite ligne verticale, jusqu'à la fin de ta feuille d'exercice. Comme tous les chiffres, le 5 commence au deuxième étage. Nous allons commencer à droite, sur l'angle droit de notre rectangle, pour faire une barre horizontale jusqu'à la gauche. Elle suit donc la deuxième ligne. Puis une barre verticale qui suit aussi celle de notre boîte. Enfin, un arc de cercle situé dans la partie basse de la boîte. Bien sûr, ton 5 doit s'appuyer sur la ligne d'appui. Barre horizontale, barre verticale, arc de cercle. Puis tu t'entraînes sans les boîtes, toujours en partant du deuxième interligne. Je place mon crayon à droite et je vais vers la gauche. Je descends, je reviens en arc de cercle et sur la ligne d'appui. Et tu continues ainsi jusqu'au bout de ta ligne. Le 6, toujours dans une boîte rectangle. Nous allons partir de la moitié de la ligne du haut, en arc de cercle jusqu'à la moitié de la boîte, jusqu'à la première ligne, pour revenir faire un cercle qui s'enroule dans le premier interligne. Premier arc de cercle et j'enroule mon 6. Pour former le 6, je pars donc d'en haut, je commence par un arc de cercle et je l'enroule toujours dans le sens de la boucle. On recommence à côté. On termine donc au niveau de la ligne du haut du premier interligne. Puis, tu feras des 6 sans la boîte, toujours en partant vers la gauche. Et tu termines ta ligne.